C'est un ouf de soulagement pour les affiliés de mutuelles de la fonction publique de la province Routana après l'ouverture officielle de la 10e agence de cette mutualité dans la dite province. Ses affiliés faisaient de longs voyages dans les provinces de Bururi et Gitega afin de bénéficier des services de la mutuelle. Ils disent que c'était très difficile de déplacer tous les ayants droit afin d'obtenir le nécessaire, notamment la carte biométrique, le recouvrement, etc. Certains d'entre eux, ils avaient déjà tout abandonné de peur de dépenser toute une fortune en faisant des longs trajets. Le gouverneur de la province Routana, Olivier Nibitanga, salue la flexibilité de mutuelle de la fonction publique dans l'appui du programme du gouvernement qui consiste à rapprocher les services nécessaires aux citoyens, surtout ceux qui concernent la santé publique. Nyandwi Ramadan, le directeur général de Mutuelle de la fonction publique, nous donne les détails sur les services qu'offre cette agence et leur valeur ajoutée. Aujourd'hui, le 23 mai 2023, on vient de procéder à l'ouverture d'une agence de la Mutuelle de la fonction publique au chef-lieu de la province Routana. Ce bâtiment était là, mais pour procéder à l'ouverture de l'agence, on a dû transformer un peu pour que l'officine soit en agence et que cette agence-là comporte au minimum ces quatre services. Le premier, c'est en rapport avec la pharmacie, là où les affiliés, quand ils veulent des médicaments, ils viennent récupérer les médicaments ici. Et il y a encore un autre service de l'immatriculation qui va délivrer les cartes biométriques. Encore un service de contrôle de prestations pour faire la vérification des nos prestations au niveau des guichets, au niveau des hôpitaux. Et aussi, il y a un service de recouvrement pour aller faire le recouvrement de nos cotisations auprès des institutions affiliées. Une valeur ajoutée concernant la création de cette agence. La première chose, vous savez très bien que les agences qui étaient proches se trouvaient à Makamba, Bururi et Gitega. Cette fois-ci, toutes ces activités-là qui se déroulaient au niveau des agences vont se dérouler ici au niveau de Routana. C'est qu'au niveau de recouvrement, par exemple, au niveau des contrôles de prestations, les contrôles se faisaient à Makamba ou bien Bururi ou bien Gitega. Cette fois-ci, tous ces contrôles-là vont se faire ici même à Routana. Donc ça va vraiment diminuer le trajet pour les utilisateurs.